Entre la musique italienne et aussi des institutions marocaines, qui est un pays très très proche en termes de mentalité. Et aussi moi, que je me sens très proche à vous parce que je suis du sud de l'Italie, je viens de la Calabria et je me sens vraiment avec l'esprit marocain. Thank you.
Monsieur l'ambassadeur de l'Italie, Monsieur le président de l'université Hassan II, Monsieur le directeur de l'École nationale supérieure d'électricité et de mécanique, honorables invités, très chers parents, chères familles, amis, mes chers camarades, nous sommes aujourd'hui honorés par votre présence à la cérémonie de remise des diplômes de la 29e promotion des ingénieurs d'État de l'École nationale supérieure d'électricité et de mécanique. Une cérémonie exceptionnelle réalisée en partenariat avec l'opérateur industriel Fiat. Une première au Maroc, ce qui a donné à notre chère promotion de cette année le prestige du nom de la promotion Fiat. نفتتح الآن حفلنا هذا بآيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا القارئ الطالب المهندس دينار كريم فليتفضل مشكورا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار
ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Et maintenant, chers invités, chers lauréats, je vous invite à réciter ensemble l'hymne national marocain. On s'excuse pour un petit problème technique. Monsieur le ministre, monsieur le président de l'université Hassan II, monsieur le directeur général, mon ami Hicham Mdromi, madame l'ambassadrice d'Italie, messieurs les présidents, chers amis, chers lauréats, chers parents. C'est toujours un immense plaisir et un très grand privilège d'être parmi vous. Je crois que c'est la deuxième fois que j'assiste à cette cérémonie de graduation. Et en regardant cette salle, tous ces parents réunis, les lauréats au fond de la salle, mais quel bonheur et quelle manifestation de ce Maroc qui avance, qui progresse et qui nous donne à nous, du côté de la barrière où je suis, cette satisfaction de voir la réussite, l'engagement de nos jeunes. Nous sommes ici, monsieur le directeur général du groupe Fiat Chrysler Automobile Maroc, très heureux de vous voir nous accueillir en illustrant cette capillarité, porosité que nous recherchons, que nous voulons entre le monde de l'enseignement, le monde universitaire et le monde de la vie, de la production, de l'industrie, du commerce. Et cette promotion qui porte
le nom de votre groupe est emblématique de ce que notre pays veut et de ce que le monde de l'enseignement, de la recherche construit et qui, à travers la présence de chacun d'entre nous ici ce matin, illustre cette volonté et ce résultat. Cette promotion qui est la 29e de l'ENSEM est aussi emblématique de, bien sûr, la réussite de chacune et de chacun d'entre vous, chers ingénieurs et chers lauréats, mais elle est emblématique de cette vision que notre pays a développée, qu'il continue d'approfondir, d'élargir, d'améliorer, en faisant de nos écoles d'ingénieurs, nos centres de recherche et leur projection à la fois dans les différentes filières qui sont celles de l'ENSEM, il y en a plus de 10, mais dans cette richesse, dans cette diversité de ces disciplines, il y a à la fois une spécificité, un atout et de très belles promesses, parce que l'ENSEM est adossé à un centre de recherche qui à la fois approfondit et donne ses chances à tous ceux parmi vous, chers lauréats, qui, au-delà de votre diplôme, avaient déjà un pied posé dans la recherche et dans la capacité que notre pays démontre de façon constante, à travers vous, les lauréats, à travers l'engagement de vos parents, à travers les sacrifices qui sont les leurs, pour aller le plus loin possible dans ce qui fait notre force, dans ce qui fait notre richesse à nous, Marocains, dans ce qui est notre pétrole, notre matière première la plus précieuse. D'être là parmi nous aujourd'hui et de présider le centre de recherche de l'ENSEM. Alors maintenant, j'invite Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Monsieur Saïd Amdazi. Monsieur le conseiller de Sa Majesté, messieurs les secrétaires généraux, monsieur le président de l'université Hassan II, monsieur le directeur de l'ENSEM, chers collègues, chefs d'établissement, professeurs, chers parents, chers étudiants, j'aurais aimé que les étudiants soient tout près de nous pour les regarder les yeux dans les yeux et pouvoir communiquer avec eux, mais ils sont trop loin. Voilà, vous êtes là. Monsieur le PDG de Fiat Chrysler Automobile, merci beaucoup de nous accueillir dans ce bel espace de la maison Fiat. C'est une initiative louable et merveilleuse que d'organiser cette belle manifestation dans vos locaux. Ça traduit un peu la volonté de l'ouverture de notre université, de l'école sur ses partenaires. Et ça donne de très bonnes idées, en tout cas, à nos ingénieurs. Accueillir chaque année une nouvelle promotion d'ingénieurs signifie tout simplement pour toute école, toute université, qu'elle a dignement accompli sa mission. Aujourd'hui, l'université Hassan II dispose de 4 écoles d'ingénieurs dans celle-ci et forme à peu près quelques 600 ingénieurs par an. Donc, bravo, cher président, bravo mesdames et messieurs les directeurs, chefs d'établissement, pour cette belle prouesse. Voilà pourquoi je tiens à féliciter en tout premier lieu ceux qui ont su transmettre leur savoir à cette nouvelle promotion d'ingénieurs. Vos enseignants,
vos encadrants. Bravo et félicitations pour ce que vous faites. Je voudrais également saluer toute l'équipe administrative, président, vice-président, doyen, vice-doyen, secrétaire généraux, responsable administratif de chaque établissement pour le travail remarquable qu'ils effectuent pour votre bien-être. Je félicite également les familles, les parents qui s'acharnent, qui s'impliquent, qui vous accompagnent pour que vous donniez le meilleur de vous-même. Il faut dire que le Maroc a la chance de disposer d'un réseau d'écoles d'ingénieurs de qualité. Le Maroc a pu tisser, a pu mettre en place un véritable lien étroit avec les établissements étrangers. Ça donne de la crédibilité à nos établissements nationaux dans la mesure où aujourd'hui, beaucoup de programmes de mobilité sont organisés pour vous permettre d'aller au-delà de ce que vous avez appris au Maroc vers l'étranger. Et surtout, notre pays dispose actuellement d'un tissu dense d'entreprises. Je salue parmi nous, cher ami Sifi Kretz, représentant de la CGEM qui est impliquée dans la discussion avec nous pour qu'on puisse rapprocher davantage le milieu entrepreneurial au milieu académique. Et aujourd'hui, les expériences sont inédites. Il y a énormément de success stories dans l'automobile, dans l'aéronautique, dans les énergies renouvelables, dans d'autres secteurs. Et les écoles d'ingénieurs traduisent un peu cette mise en place de ce pont entre le milieu académique et le milieu entrepreneurial. L'ENSEM incarne en fait parfaitement ce modèle d'école que nous aimerions voir se multiplier partout au Maroc. Alors l'ENSEM, c'est d'abord une école d'ingénieurs qui forme l'élite de nos étudiants. C'est une école implantée au cœur de la plus grande place industrielle du pays et qui a su pleinement attirer à elle les entreprises en les érigeant en statut de partenaire privilégié puisque celle-ci siège dans le conseil d'établissement. J'en veux pour exemple donc cette belle implication de l'entreprise qui nous accueille aujourd'hui pour cette cérémonie Fiat Chrysler Automobile et qui donnera d'ailleurs ce super label à cette promotion, donc la promotion Fiat à ses ingénieurs. Sur un tout autre plan, cette école a également le grand mérite d'avoir développé en son sein une véritable activité de la recherche. Monsieur le conseiller, Sa Majesté le disait à juste titre, aujourd'hui nous avons une belle fondation de la recherche qui va encore porter haut et fort cette dynamique de recherche donc, qui est déjà en marche au sein de l'université, au sein de l'ENSEM. Il faut bien le reconnaître aujourd'hui, plusieurs soutenances par année de thèses, d'habilitation, plus d'une centaine d'articles indexés, des livres de recherche, des projets R&D et un bilan donc des plus intéressants pour un établissement prestigieux. On ne peut donc que se féliciter de voir au Maroc un tel modèle d'école. Et quand je parle de l'ENSEM, je parle bien entendu de l'ENSAM, de l'ENSET, de ce que fait également la FST pour la formation des ingénieurs et toutes les autres écoles d'ingénieurs qui constituent le réseau d'écoles ingénieurs à l'échelle du Maroc. Et aujourd'hui, donc, ce modèle qui incarne une indispensable symbiose entre le milieu académique et le milieu industriel et constitue un véritable terreau de l'innovation, comme nous le savons tous. Alors, ce dernier point très important, car la recherche est une voie relativement peu prisée par les ingénieurs, et là je voudrais m'attarder 2 secondes pour vous dire que vous êtes fraîchement diplômé, le réflexe que vous allez avoir c'est directement aller travailler, chercher un travail. Tenez-vous bien que la voie de la recherche est également une voie très prometteuse et aujourd'hui il est plus que jamais indispensable d'encourager cette voie de la recherche. Il faut savoir que seuls 10% des ingénieurs s'engagent dans cette voie, c'est-à-dire deviennent après des docteurs ingénieurs. Aujourd'hui, la fondation, le centre de recherche qui a été mis en place, c'est pour vous donner l'occasion de vous engager dans cette voie et apporter encore davantage d'expertise à votre cursus. Et puis, la recherche va vous apporter un élément fondamental, c'est le côté innovation. Et comme le disait si bien Steve Jobs,
C'est l'innovation qui distingue les leaders des suiveurs. Alors sachez choisir votre camp. Voulez-vous être leader ou voulez-vous être suiveur? Voilà. Suiveur? Non, il faut être leader. Je ne peux que vous encourager, en tout cas, à vous tourner vers la voie de l'entrepreneuriat, car c'est là que réside la vraie création de richesses, le nerf de la guerre en matière de développement. N'oubliez pas que, durant vos années d'études d'ingénieur, vous avez été formé pour être des véritables autodidactes, pour aller chercher hors des cours que vous avez eus de l'information et pour vous aider à trouver des solutions. C'est la véritable vocation de l'ingénieur. Ces études difficiles vous ont poussé à la persévérance, au dépassement du soi, à la maîtrise des problématiques. C'est évidemment un atout qui jouera en votre faveur au moment de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Pensez à ce conseil très prisé également par les plus grands coachs qui disaient à juste titre « Si tu ne construis pas ton propre rêve, quelqu'un va t'embaucher pour te faire construire les siens. » Vous craignez l'échec, sachez que le seul véritable échec, c'est de ne rien tenter. S'ils avaient eu peur de l'échec, Steve Jobs, ni Eiffel, ni Mark Zuckerberg, qui sont tous des entrepreneurs, n'auraient connu la réussite qui est la leur aujourd'hui. On a coutume de dire de l'entrepreneur, c'est un importateur d'angoisse et un exportateur de dynamisme. Mais l'entrepreneur, c'est surtout et avant tout un cadeau pour notre société. L'entrepreneuriat est donc un enjeu réellement social et crucial pour l'avenir économique de notre pays. Mais comme nous le rappelle le très pertinent mémorandum élaboré par la Banque mondiale, le Maroc à l'horizon 2040, les Marocains font encore preuve d'un trop faible dynamisme entrepreneurial. Sachez tout de même que notre pays est dans la bonne voie grâce à une multitude de programmes, de stratégies nationales qui ont été mises en place et qui œuvrent à lever les contraintes qui freinent encore cette voie de l'entrepreneuriat. Il ne tient donc qu'à vous de vous lancer, de rejoindre cette accélération de la dynamique entrepreneuriale nationale. C'est d'ailleurs dans cet esprit de promotion de la culture entrepreneuriale chez les jeunes Marocains que notre ministère a récemment signé un certain nombre de conventions, notamment avec Inges Mghrib, avec l'USAID, pour former plus de 100 000 jeunes à cet esprit entrepreneurial. Et aujourd'hui, chaque université a un véritable programme très très novateur sur la création d'entreprises. Aujourd'hui, disons-le clairement, une école qui se satisfait de former des ingénieurs fonctionnaires ou des ingénieurs salariés ne peut prétendre remplir sa mission. Il y a en effet des étudiants qui ont spontanément la fibre entrepreneuriale et qui se révèlent dès qu'on les met sur un projet. Ces derniers, que je n'hésiterai pas à qualifier de véritables pépites de nos écoles d'ingénieurs, sont peu nombreux malheureusement. Mais il est capital de les identifier et de ne pas les laisser s'éteindre, cette précieuse flamme qui entre en eux. Enfin, chers lauréats, je ne saurais achever mon allocution sans vous rappeler votre devoir de patriote. Le Maroc qui vous a porté, le Maroc qui vous a soutenu durant toutes vos années d'études, attend à présent de vous qu'à votre tour, vous investissiez en lui comme il a investi en vous et que vous croyez en lui comme il a cru en vous. Ne cédez pas trop facilement aux sirènes des pays occidentaux. Certes, nous savons tous que chaque année, plus de 600 ingénieurs marocains quittent le pays et vont vivre et travailler en Europe, aux États-Unis, accusant souvent le Maroc de mille maux. Ces derniers, dans l'écrasante majorité, est issu d'écoles d'ingénieurs publics, ont tendance à oublier que c'est le Maroc qui a assumé la totalité du coût financier de leur formation. Face à cette fuite de nos compétences que l'on ne peut que déplorer, il faut savoir qu'à l'inverse, près des trois quarts des Marocains résidant à l'étranger envisagent de revenir au Maroc, comme nous le révèlent de récentes études. 57% d'entre eux seraient même prêts
à accepter des salaires inférieurs à 25% de ce qu'ils percevaient à l'étranger. Des chiffres à méditer et des chiffres qui vont vous permettre de prendre de véritables décisions. Chers étudiants, vous êtes cette année 218 lauréats, issus de 10 filières différentes, à quitter cette prestigieuse école qui fut la vôtre pendant 3 années. Votre promotion a connu un taux de réussite dépassant les 98%, ce qui vous honore, ce qui nous honore tous. Si vous êtes là aujourd'hui à recueillir enfin les lauriers de vos efforts durant ces dures années d'études, c'est que déjà vous étiez les meilleurs à votre arrivée à cette école au sein de l'université Hassan II. Cette université qui vous a tant donné, cette école qui vous a accompagné, qui vous a porté. Je ne voudrais pas être long cette journée qui se doit avant tout d'être une journée de fête. Je finirai en vous exprimant, chers étudiants, mon bonheur, ma fierté de partager avec vous ces moments très forts, ces moments symboliques. Il y a dans la vie des jours heureux qui comptent et qu'il faut savourer et célébrer. Je pense que ces jours, vous allez vous en rappeler toujours. Je vous souhaite plein succès dans votre vie professionnelle et merci pour votre attention. Merci pour votre intervention. Je cède maintenant la parole à Monsieur le Président de l'Université Hassan II, Monsieur Idriss Mansouri. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le ministre, monsieur le conseiller de Sa Majesté, le roi, messieurs les secrétaires généraux, monsieur le directeur général du groupe Fiat Chrysler Automobile, monsieur le directeur de l'École nationale supérieure d'électricité et de mécanique, honorable assistance, chers lauréats, chers parents, je commence mon mot d'abord par les félicitations et les remerciements. Merci infiniment au groupe Fiat Chrysler Automobile d'avoir accepté donc d'abriter cette fête des lauréats de l'ENSEM. Toutes mes félicitations aux lauréats et à leurs parents. Toutes mes félicitations au staff, au corps enseignant de l'ENSEM et au staff administratif et technique de cette prestigieuse école de notre université. C'est grâce à vous qu'on est aujourd'hui ici en train de fêter la 29e promotion des ingénieurs de l'ENSEM. Mesdames et messieurs, il n'est de capital et de richesse que l'homme, avec son ensemble de valeurs, de savoir-faire et de savoir-être. Chers lauréats, au-delà de la culture scientifique et technique, vous devriez développer et éduquer l'esprit, on en a parlé, entrepreneurial, la capacité d'écoute de l'autre, le travail en équipe dans un écosystème pluridisciplinaire. La technique, le côté scientifique et technique, science exacte, et technologie ne suffit pas s'ils ne sont pas associés à autres disciplines, notamment les sciences humaines et sociales, et aussi les valeurs morales. Ce point-là, je m'arrête pour dire, les valeurs morales ne doivent pas être ce que nous attendons des autres, mais ce que nous pratiquons nous-mêmes. N'exigez pas des autres ce que vous ne faites pas. Bref, l'ingénieur que vous êtes aujourd'hui doit continuer à développer davantage les compétences non techniques. Vous devez être des acteurs ouverts sur votre environnement, capables de cultiver le sens du contact humain et de travailler en équipe
de maîtriser la communication interculturelle dans un contexte mondialisé. En plus de ce que M. le ministre et M. le conseiller ont développé sur la recherche scientifique, l'importance de la recherche scientifique et l'entrepreneuriat, j'ajoute aussi la formation continue des ingénieurs et de tous les lauréats de l'université. Parce que donc les connaissances et les compétences que vous avez acquises aujourd'hui, dans un monde qui évolue très, très vite, vont devenir rapidement obsolètes. Donc il faut le renouveler, il faut mettre toujours vos connaissances à jour. Comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui à l'ère de la quatrième révolution industrielle. Ce concept de la révolution, de la quatrième révolution industrielle, a pour but de rendre les usines plus intelligentes, a pour principe, pour principale caractéristique d'organiser une continuité numérique de l'ensemble des activités industrielles. Bref, vous savez tous que le numérique bascule de plus en plus les métiers industriels, bascule le mode d'organisation des entreprises marocaines ou mondiales à l'échelle internationale. Les ingénieurs ont toujours su adapter leurs compétences, mais cette fois, c'est plus compliqué. Le changement ne se limite pas à de nouvelles technologies, à l'introduction de nouvelles technologies, c'est l'organisation même du travail industriel qui est peu à peu bouleversée. C'est la nouvelle organisation de la production elle-même. D'où l'importance, j'ai cité tout ça pour dire que la formation continue devient une obligation pour tous les lauréats de l'université, des universités, pas uniquement à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle mondiale et internationale. Donc l'importance de la formation continue, je pense que vous l'avez saisie. Maintenant, la recherche scientifique. Parce que pour que l'université, comme vous le savez, a des challenges, des défis à relever. Parce qu'il faut qu'elle reste toujours attractive et compétitive. Elle ne peut le faire sans la recherche scientifique. Comme je dis, dans un monde qui évolue très très vite, donc l'université doit aussi évoluer et doit adapter ses programmes à toutes les évolutions, à toutes les technologies nouvelles, le numérique, surtout le numérique. Donc la recherche scientifique prend une place très importante. Et j'entérine tout ce qu'a dit M. le ministre et M. le conseiller. Sachez que l'université recrute. Elle recrute dans le domaine de la recherche. Et nous cherchons des ingénieurs qui souhaitent préparer leur thèse. Il y a tout ce qu'il faut avec le centre de recherche nouveau dans le cadre de la fondation de recherche de l'université Hassan II. Donc ce centre, il offre des conditions très très favorables, aussi bien donc un environnement technique, technologique, des plateformes technologiques, qu'au niveau matériel aussi et moyen, parce que les candidats, vous n'avez qu'à consulter le site de l'ENSEM, de l'université, de la fondation, pour voir quelles sont donc toutes ces possibilités. Et j'invite les lauréats donc à candidater pour la préparation d'une thèse de doctorat à l'université Hassan II de Casablanca. Donc, l'adaptation constante à un monde en évolution rapide est un enjeu permanent pour l'université. Ça, c'est... On ne peut être compétitif, on ne peut être attractif, maintenant, l'université marocaine, que par la mise en valeur, pour la valorisation de connaissances par la recherche scientifique et par cette ouverture sur l'entreprise et sur le monde industriel. En témoigne la journée d'aujourd'hui et nous encourageons donc au niveau de notre université ce partenariat entre l'université et l'entreprise. Avant de finir donc mon mot,
je réitère mes félicitations à tous les lauréats et je félicite tous les parents pour le sacrifice qu'ils ont, donc leur engagement vis-à-vis auprès de leur progéniture pour arriver aujourd'hui à cette consécration. Je souhaite plein succès, aussi bien professionnel que dans votre vie privée, tous les lauréats de la 29e promotion des ingénieurs de l'INSEM. Merci pour votre attention. Village, Monsieur Francesco Monaco. Bonjour. Je suis vraiment impressionné de vous voir dans cette position. C'est vraiment émotionnant pour moi. C'est ma première sortie à ce niveau avec vous. Je suis vraiment heureuse de vous avoir ici, spécialement tous les lauréats et les parents des lauréats. Je suis un lauréat fraîche. Et je sais les types d'émotions que les familles et les lauréats vont vivre dans cette journée, que je voudrais qu'il reste une journée spéciale dans votre mémoire. Monsieur le conseiller de Sa Majesté le Roi, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Madame l'ambassadrice d'Italie, Monsieur le veil del Grand Casablanca, Madame le gouverneur, Monsieur le secrétaire général de l'énergie des mines et du développement durable, Monsieur le Président de l'Université Hassan II et encore lauréats et familles, bonjour et bienvenue chez le Motor Village. J'espère d'être clair, je ne suis pas aussi fort dans votre langue, j'espère de faire mon mieux pour me faire, pour passer les sentiments que je vais vivre ce matin. J'ai eu la proposition de l'ANSEM de faire cette type de cérémonie, mais pour moi c'est le contraire. Je suis moi que je vais mettre à disposition la structure et l'expertise de Fiat Chrysler Automobile pour rendre ce jour un jour vraiment spécial. Et dans le futur, pour avoir un point de référence pour tous les lauréats du Maroc, pour faire aussi des expériences professionnelles dans les groupes quand l'occasion se présente. Fiat Chrysler Automobile il est en train de se reprendre la visibilité et la position sur les marchés parce que je pense qu'il est quelque chose que moi je la dois à l'histoire de pas seulement de Fiat mais aussi de l'Italie, d'un pays en grand train de développement comme il est le Maroc. J'ai travaillé 2012 dans le Maroc, je suis arrivé 4 mois avant et j'ai trouvé un pays qui est en plein train de développement dans une situation vraiment incroyable. Et je voudrais être partenaire de cet renouvellement et je voudrais être à niveau du groupe référence pour soutenir à notre niveau ce process de renouvellement. Comme vous avez dans les plans qui ont été annoncés dans notre président Fiat, on a direction d'augmenter la visibilité à niveau mondial, spécialement avec des brands spécifiques, et on a aussi le développement des voitures hybrides et d'aller dans le futur avec ces produits. Et je pense qu'il faut commencer dans le Maroc parce que toutes les stratégies qui sont mises en place pour l'Europe doivent nécessairement être mises en place à le même niveau aussi au Maroc. Parce que, comme je vous dis avant, ce pays est un pays
à grand développement moderne. Et moi, si vous me permettez, je suis heureuse de guider une équipe forte, une équipe marocaine qui sera la base de le succès de ce groupe et aussi sera la base de la développement de tout ce qui sera notre activité ici sur le Maroc. Je ne vais pas prolonger et rendre ce moment lourd en termes de discours. Ça veut dire que je vais terminer avec un grand, je ne sais pas comment dire en français, un abbraccio. Je veux embrasser tous les lauréats, mais spécialement, je voudrais embrasser les mamans, les papas qu'on a vécu avec eux. Je suis un ingénieur mécanique, je me suis lauréat. Je me suis lauréé dans le 1993 en ingénierie mécanique énergie. Et j'ai étudié des examinations très dures comme machines et systèmes énergétiques spéciaux, moteurs d'avion, moteurs à combustion interne, scienze delle costruzioni, je ne sais pas comment dire ici. D'examination très dure et je sais, j'ai eu ma mère et mon père souffrir avec moi. Et alors aujourd'hui, je voudrais seulement être très proche à toutes les familles qui va soutenir beaucoup de ce grand projet pour arriver à 7 jours avec le diplôme des degrés de votre mère. Si je peux laisser avec appétit phrase d'un philosophe que je vais lire avec très grande attention et que pour moi il est à phrase qu'il est un peu à direction de vie. Il est un philosophe grec qui s'appelle Socrate qui va dire j'essaie de pas savoir. J'essaie de le traduire en français. So di non sapere. Ça veut dire vous devez toujours mettre vous-même en discussion. Quand vous pensez d'être à niveau de la connaissance au 100%, le conseil que je vais donner est de vous mettre toujours en discussion et de rechercher toujours quelque chose en plus. Et la seule manière avec la connaissance de améliorer toujours et de rejoindre des grands tragardes et succès. Avant de vous laisser, faire un annoncement que je ne voudrais jamais faire. Je t'ai rajouté dans la nouvelle que notre grand président, M. Marchionne, on a nous laissé quelques minutes avant. Et je voudrais seulement rappeler que lui a nous donné à tous nous de Fiat la grande vision qu'aujourd'hui il donne la possibilité d'être le 7e groupe mondial. Je suis vraiment triste d'annoncer ça, mais c'est la vie. Nous tenons M. Marchionne dans le cœur et nous continuons à aller à la vitesse et faire mieux pour maintenir sa vision toujours vive d'entre nous. Merci à tous et bonjour. Grazie. Président, directeur général de FCA Morocco. Avant de passer la parole à monsieur le directeur de l'INSEM, je voudrais remercier chaleureusement l'ambassadrice de l'Italie qui est aussi parmi nous aujourd'hui. Maintenant, j'ai le plaisir de céder la parole à notre cher directeur de l'école, M. Hicham Droumi. Monsieur le conseiller de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, Madame l'ambassadrice de l'Italie, Monsieur le secrétaire général des mines d'énergie, qui est notre lauréat de l'INSEM, promotion 1996. Monsieur le président de l'université Hassan II de Casablanca, monsieur le président de Fiat Chrysler
bien sûr, et automobile. Messieurs les présidents, directeurs généraux des entreprises partenaires, messieurs les directeurs des entreprises partenaires, chers professeurs, enseignants, chercheurs de l'ENSEM, chers parents, chers lauréats, chers staff administratifs, c'est avec un grand plaisir aujourd'hui qu'on vous accueille, bien sûr, grâce à Fiat, ici, au village automobile. C'est un point important, ce qui donne l'ouverture sur le monde socio-économique. Et ça, c'est grâce au président, bien sûr, de Fiat, Chrysler Automobile, et aussi aux différentes équipes administratives de Fiat. C'est avec un grand plaisir, en fait, la 29e promotion, avec ses 218 lauréats, dont 21 qui ont fait leur mobilité internationale cette année, donc environ 10%. Dans les grandes écoles à l'échelle internationale, avec bien sûr une dizaine de filières dans les différents départements, génie mécanique, génie électrique, génie industriel et génie mathématique informatique. C'est avec un grand plaisir aujourd'hui qu'on fête ces lauréats, dont une grande partie qui sont déjà insérés dans les entreprises partenaires qui sont là aujourd'hui, c'est grâce à eux, et c'est grâce à eux aussi que le reste y va être inséré prochainement. Et puis, il y a d'autres qui vont monter leur entreprise. Je sais, il y a quelques-uns qui vont prendre le challenge pour monter, bien sûr, ces entreprises, pour accompagner l'écosystème industriel au Maroc. Aujourd'hui, on fête pas simplement le cycle ingénieur, sachant que l'ENSEM aussi a un cycle doctoral avec ses 30 docteurs qui ont soutenu à l'école doctorat sciences l'ingénieur de l'ENSEM, avec ses 11 habilités à diriger la recherche, avec ces enseignants-chercheurs qui n'arrêtent pas de donner à l'ENSEM, qui ont donné, sachant qu'on a 70 enseignants-chercheurs, dont 30% qui s'approchent de la retraite. Avec ces enseignants-chercheurs, cette année, ils ont publié une centaine de revues indexées. C'est un point important, c'est un coefficient national très élevé, avec une dizaine de contrats avec le monde socio-économique, avec bien sûr 5 livres, des brevets et aussi pas mal des communications à la chaîne nationale internationale qui dépassent les 200. C'est grâce à ces enseignants-chercheurs qui ont fait former bien sûr ces ingénieurs qui donnent et qui continuent à donner largement à l'ENSEM, à l'université Hassan II, avec un moyen qui dépasse les 400 heures sans encadrement des mini-projets, projets de fin d'études, et aussi sans compter l'encadrement des doctorats, sans compter aussi la formation continue qui donne un élan à l'ENSEM au niveau moyen financier pour accompagner cette formation d'ingénieurs. C'est grâce à eux que j'applaudis. Et puis aussi, c'est grâce au staff administratif qui les accompagne, qui font un très grand nombre, sachant que le staff, avec les départs à la retraite, elle est réduite largement. N'oublions pas que l'ENSEM, en plus de la formation, on a l'internat, on a la restauration. Donc ça demande énormément de moyens d'énergie qu'on demande bien sûr aujourd'hui à notre université, à notre ministère d'accompagner ces besoins. Et pour faire face au départ à la retraite, c'est très important parce que les collègues enseignants-chercheurs n'arrêtent pas de le dire. Ben, je transmets leurs paroles aujourd'hui avec bien sûr leur présence. Donc c'est avec un grand plaisir aussi de saluer les entreprises partenaires, une vingtaine de conventions chaque année qu'on signe au niveau mobilité, au niveau partenaire industriel. Je tiens à souligner notre partenariat avec Fiat, Chrysler Automobile, qui date pas d'aujourd'hui, qui date depuis des années. Il n'arrête pas de donner un coup de main au niveau travaux pratiques. On a fait pas mal de travaux pratiques chez Fiat, on a fait pas mal de mini-projets, des challenges, des projets de fin d'études, des recrutements, des formations continues. Ils nous accompagnent depuis presque 5 ans. Depuis 5 ans, ils n'arrêtent pas de donner. On tient bien sûr à les saluer et je remercie tout le monde pour leur présence et merci. De Sa Majesté le Roi, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Monsieur le directeur général du FCI Morocco Motor Village, Madame l'ambassadrice d'Italie, Monsieur le président de l'Université Hassan II, Messieurs les présidents directeurs généraux de Cozumar, Altran, la Marine Royale, la Marine Marchande, et nos chers lauréats, Monsieur le secrétaire général du ministère d'Énergie et des Mines et de Développement Durable, ainsi que le directeur de Vivo Énergie. Je vous invite à rejoindre le podium afin de remettre les prix aux majeurs de la promotion.
J'invite aussi monsieur le directeur de l'ONU. Alors, tout d'abord, j'appelle la major de la 29e promotion de l'École nationale supérieure d'électricité et de mécanique, mademoiselle Boukir Soukaina. Non. J'invite maintenant le majorant de la filière génie informatique, réseau et base de données, monsieur Wihmen Amal.
automatique, informatique, industriel, le major de la promotion est Monsieur Dekil Ayoub. Maintenant, la major de la filière génie industriel et logistique, mademoiselle Samia Sarr. Alors passons maintenant au prix des enseignabilités. J'invite le professeur El Walidi Moussaïli. Seulement qui est absente, je n'avais pas vu.
être remplacé par le professeur Haji. J'invite maintenant notre chef directeur à remettre les trophées aux éminentes personnalités présentes avec nous aujourd'hui, nos chers invités, que je vous propose d'applaudir. S'il vous plaît. Alors j'invite maintenant Madame Soupien pour la remise des prix du challenge FCA. Des groupes d'étudiants volontaires ont participé sur différents sujets qui sont à forte valeur ajoutée pour nous puisqu'ils sont liés directement à notre activité, mais aussi pour eux, pour leur formation et pour leur expérience. Donc nous aurons le plaisir de couronner aujourd'hui les gagnants de ce challenge. Alors, j'appelle le premier groupe gagnant, M. Mazeri Yassir et M. Khatif Mouad,
qui ont travaillé sur le projet Mopar Express Care Service. Ils sont là. Ils sont là. Alors, le prix va être remis par Monsieur le conseiller de Sa Majesté, Monsieur André Azoulay. C'est un chèque cadeau de 15 000 dirhams pour le groupe gagnant, le premier prix. J'appelle maintenant le deuxième groupe gagnant, le deuxième prix. C'est un groupe de trois étudiants, M. Ziyou Faisal, M. Zaki Kamel et Mohamed Amin. Ils ont travaillé sur un projet sur les indicateurs de travail, gestion de l'émo, dans notre atelier service après-vente. Alors le prix va être remis par Madame l'ambassadrice d'Italie, Madame Barbara Bricato. C'est un chèque cadeau de 10 000 dirhams. J'appelle maintenant le troisième groupe gagnant, Mademoiselle Haroufi Ahlam et Monsieur Ouchanouk Chihabuddin. Ils ont travaillé sur le projet de modélisation moteur diesel, common rail et simulateur de panne. Le prix va être remis par Monsieur Francesco Monaco, notre PDG. C'est un chèque cadeau de 5 000 dirhams. Merci.